Salut à tous, le 26e épisode de Vos Défis. Je sais, le dernier épisode c'était il y a 37 ans et demi. Voilà, j'ai décidé de le reprendre. Je sais pas pourquoi je l'avais arrêté en fait, c'est parce que j'avais pas trop le temps de faire un full guerrier sans fumigène. Je vous le remonte ce défi. Je suis pas du tout pressé de le faire. Je sais pas si on va bien le voir. Full guerrier sans fumigène de Thomas Le Cellier. Alors, certains d'entre vous ne connaissent pas cette série, c'est un peu comme les pubs Task Force que j'avais entre guillemets arrêté. Vous me donnez vos défis, je les note dans un bol que je tire au sort à chaque fin d'épisode pour le prochain épisode. Voilà. Donc déjà, je vous invite, avant même cette vidéo, de commenter vos défis. Un qui n'est pas déjà fait, de préférence, on sert à rien de le noter. Et puis voilà, si je tire au sort votre défi, eh ben, ça sera le prochain sujet du prochain épisode. Très très long et très chiant d'ailleurs à dire. Donc voilà, le full guerrier. Sans fumigène, tu m'as pas précisé, mercenaire, garde noire, vu que je suis fourbe, ça va être des gardes noirs. Voilà, toutes les barges maxées, les guerriers maxés, etc. Et on va essayer, sans fumigène, de réussir à détruire ces maps. Alors, je sais pas du tout comment je vais m'y prendre. À mon avis, ça va être. Je vais utiliser beaucoup de freeze, à mon avis. Je pense que c'est la seule solution à faire. Et je vais déblayer largement à l'avance les bâtiments défensifs les plus dangereux. Alors c'est parti, on va tester ça tout de suite. Je t'entends regarder, putain, est-ce que je suis en train de filmer ou je suis en train de parler tout seul depuis tout à l'heure comme un con? Allez, bah je vais déblayer les lance-flammes et les mitrailleuses. On va faire ça. Boum boum et boum boum. Putain, après il y aura le QG. Oh là là, ça va être compliqué. Alors attendez. Allez, je sais ce que je vais faire. J'ose même pas attaquer. Bon, c'est parti. Il faut y aller. Un jour, il faut y aller. Débarque tout sur la gauche, je les mets ici et je freeze. Voilà, et je vais détruire les mines et les lance-flammes qui sont juste derrière. Nickel. Je vais mettre mes troupes ici. Parfait. Je vais essayer de faire sans fumigène, bien évidemment. Et je me focus sur le QG. Je vais soigner mes troupes. Ça, on a le droit. Et je vais freezer. Parfait. Et bah putain, je pensais que c'était. Je pensais que ça allait être super compliqué, en fait ça va, j'ai réussi. Alors combien de pertes? J'ai la flemme de calculer un renseignement. Merci, c'est pour féliciter 16 guerriers. D'accord. Je vais pas les renforcer, je vais essayer de faire un autre garde noir. Et donc juste après, je tire au sort le prochain défi. Je vais peut-être tenter un mercenaire après. Je sais que vous avez envie que je tente un mercenaire. On va tenter de toute façon. Il faut bien que je le fasse. Alors là, les lance-roquettes easy parce qu'ils n'attaquent pas au corps à corps. Je vais tenter. Allez, on tente. Je vais tenter et je vais détruire. Voilà, je vais mettre un tir de barrage sur chaque duo de lance-flammes. Comme ça va enlever quelques mines à côté. Voilà, nickel. Je vais détruire bah, les lance-flammes. C'est con ce que je viens de dire. Un envoi de bestioles ici. Pour les mines. Non, c'est bon, il en reste une. Enfin, s'il en reste une super mine, c'est pas grave. Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Un entre-envoi de bestioles ici. Putain, je vais encore envoyer des tirs de... Je vais encore envoyer des bestioles, mais ça fait beaucoup après. Bon, c'est pas grave. Allez, je tente. Et boum. Et je débarque tout. Je vais faire le ménage. Un peu avant. Je vais friser les lance-roquettes. Ah, j'allais utiliser un fumigène. Je sais pas pourquoi je... C'est un réflexe. Boum. Je vais me focaliser sur le lance-flamme, ça sera fait. Allez, on a mis une lance-flamme. Et juste après, je me focus sur le QG. Boum, tout de suite. Je freeze, lance-roquette et medikit. Et je termine ce QG. Mais quel art de gérer ces guerriers sans fumigène. Parce que je sais qu'il y en a certains d'entre vous. Je sais plus à quel niveau du QG, mais c'est compliqué. Vous avez pas le fumigène, je crois que c'est QG 16, donc je sais plus du tout, ça fait tellement longtemps. Mais je suis en train de me dire, mais comment vous faites? C'est compliqué. Là, 26, j'en ai perdu 26. Alors, il va falloir que j'utilise des diamants, je pense. Ou alors, peut-être une dernière petite map facile. En tout cas, avec cette compo et ce défi qui est complètement nul. Là, il y a trop de lance-flammes. Peut-être distributeur de carottes, il y a beaucoup de lance-roquettes, etc. Chobam! Ou sinon on tente le mercenaire, il n'y a pas de problème. C'est impossible. C'est impossible. On va tester peut-être le distributeur de carottes. Puis juste après, je tire au sort votre défi. Qu'on reprenne cette série qui vous plaît tant.
J'ai envie d'attaquer ici et petit à petit je détruis toutes les. Oui, on va tenter ça. Je vais utiliser beaucoup de diamants. Je vais pas tout utiliser en diamants parce que ça fait quand même beaucoup. Je vais faire celle-là, 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 enfin, presque tout quoi. Et celle-là. Ça devrait être suffisant, je pense. Allez, on va tenter avec ça. On va tenter avec ça, distributeur de carottes pour cette petite vidéo du dimanche. Allez, on tente. Le lance. Ok, le lance électron ici, ok. Allez, c'est parti. Je vais devoir beaucoup, beaucoup friser. Ça ne se dit pas. Ok, allez. Allez, je commence à friser. Putain, non, c'est. Putain, je le frise tout de suite. Ça m'énerve, je vais le friser tout de suite. Parfait, lance-flamme détruit. Lance-flamme détruit. C'est parti, on continue. Mitrailleuse aussi, je refrise. Boum. Allez, vous pouvez le faire. Midi kit pour vous soigner, les amis. Nickel. Je refrise les deux lances électro-bombes. C'est ce qu'il faut faire, à mon avis. Des bestioles sur la gauche pour la diversion. Et sur les mines. Mon gars, si j'y arrive. Mon gars, si j'y arrive. Je freeze, lance électro-bombe. Et lance roquette. Il y a un midi-kit pour vous soigner, les mecs. J'y croyais pas. J'y croyais pas. J'ai réussi distributeur de carottes full guerrier sans fumigène. Alors pour moi, c'est un exploit. Ça se trouve, il y en a qui. Voilà, qui aime faire ça tous les jours, hein, jouer les maps sans fumigène alors qu'ils les ont, hein, mais moi je suis con, je suis obligé. Mais putain, 11 guerriers de perdu. Mais franchement, je me suis dit, je vais pas attaquer sur la gauche, je vais attaquer sur la droite. Il y a une ligne droite, je vais friser en avançant. Et heureusement que j'envoie des bestioles sur les bâtiments non défensifs. Vous voyez les petits barils qu'il y a au milieu pour vraiment me faire des points de cognard et pour pouvoir friser les deux lances électrons qui étaient au fond. Pour les friser ensemble, ce qui était assez proche. Bah voilà, pour ton petit défi, je sais pas si je vais encore en tenter un. Allez, peut-être pour le fun. Je vais pas remettre des diamants, mais c'est vraiment pour le fun. Je vais tenter celle-là. C'est vraiment, vraiment parce que je vous aime bien. Des bestioles ici, pour les mines. Et je vais friser. Putain, j'aurais dû. Ah non, c'est bon encore. Il y en a eu que 3 de friser. Et je me mets ici, à ce niveau-là. Je refrise lance électro-bombe. Ah putain, non, faut que je le finisse, faut que je le finisse. C'est une certitude, faut que je le finisse. Voilà, hop. C'est Shogun, mon gars. Mais c'est chaud de night. Des bestioles pour la diversion, c'est impossible, c'est impossible. J'en ai pas assez et il y a trop de lance-flammes après. Peut-être, non, j'ai pas assez pour friser. J'ai pas assez. Alors, un medikit, ça va pas suffire. Il y en a trop. Je détruis un lance-flamme à la canonnière. Est-ce que ça va être suffisant? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et il fallait bien que le mythe s'arrête un jour. Bon, il restait 50% du QG, c'est déjà bien. C'est 38 guerriers. Même avec tous, j'y serais pas arrivé. Franchement, je suis honnête, je pense que je n'y serais pas. Je n'y serais. Je suis nul. Voilà, allez, merci pour cette conclusion. Je tire au sort le prochain défi de votre. Enfin, vos défis que vous m'avez proposés dans l'épisode 25. Là, proposez-moi votre défi parce que le bol, il se fait un petit peu vide. Allez, c'est parti. Merci en tout cas, Thomas Le Scellé, de m'avoir fait galérer dans cet épisode 26. C'est parti. J'en ai eu. Je les ai relus. Attendez, il y en a un qui est tombé. Je les ai relus, vos défis, avant avant cet épisode. Ils sont énormes. Il y en a, j'ai même pas envie de tomber dessus. C'est parti. C'est bon, j'en ai un. J'en ai même deux. Je prends lequel, hein? Je prends celui-là, j'en fais tomber un et c'est parti, il m'en reste plus qu'un. Lui aussi, c'est quelqu'un qui me fait beaucoup de commentaires. Dédicace à toi, Lucas Joussin, qui me dit un mercenaire ou garde noir. Merci de m'avoir proposé une base, quoi. Une barge. Oh non, putain, non. Une barge de gros bras et cette barge de médecin. Cet épisode va être fou. Je sais pas du tout si je l'ai déjà fait. Il me semble que j'avais déjà fait ça sur un truc du Docteur Terreur, je crois. Là, de toute façon, garde noir ou mercenaire, ça va être totalement différent. Mais j'ai bien envie de tester. Je sais pas si je serai boosté. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si je dois être boosté. Mais une barge gros bras et cette barge de médecin, je peux vous assurer que les 6 gros bras seront immortels. Voilà, proposez-moi vos défis dans les commentaires. Je sais pas si la caméra va faire une mise au point automatique. De Lucas Joussin. Merci beaucoup, l'ami.
Donnez-moi vos défis, rejoignez-moi sur le Facebook, le Twitter et le Snapchat pour encore plus de folie et de fun et de boom beach. Salut à tous.